Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Découvrez votre défi du jour et le conseil de l'oracle pour bien vivre votre journée. Aujourd'hui, joyeux anniversaire aux Sagittaires de ce jour et bonne fête à toutes les Viviane. Allez, un peu d'astro pour commencer. La Lune est en Verseau. Elle est d'abord dans le deuxième décan du Verseau et elle passera dans la journée dans le troisième décan du Verseau. Nous voyons que Uranus est en excellent aspect avec la Lune aujourd'hui. Par contre, Mercure est en aspect de tension, bâton vert, bâton rouge. Uranus en bon aspect avec la Lune va lui envoyer des énergies très fortes, des énergies vraiment émotionnelles importantes. Et comme l'aspect est bon, eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, les personnes vont être très sensibles à ce qu'elles ressentent au plus profond d'elles-mêmes. Mais le souci, c'est que Mercure est en aspect de tension. Or, Mercure, c'est la communication, les paroles que l'on dit. Alors, vous avez tout de suite compris qu'aujourd'hui, nous allons avoir un gros état émotionnel. La Lune nous parle de grandes émotions qui viennent vraiment du ventre, hein, qui sont en nous. Et en même temps, elle nous parle de paroles qui peuvent être violentes et difficiles dans l'expression, justement, hein, par rapport à notre environnement et notamment, donc, effectivement, dans les paroles. Alors, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, c'est une journée pour réfléchir avant de parler. Tournez bien votre langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Et, afin de vibrer avec les énergies lunaires, voici votre défi du jour. Alors, vous allez faire attention à votre façon de vous adresser à chaque personne. Et vous pouvez même noter sur un papier les efforts que vous faites au fur et à mesure que vous les faites. Surtout par rapport à certaines personnes, sans doute avec lesquelles vous ne vous entendez pas trop bien. Et à la fin de la journée, vous lirez votre papier et je suis sûre que vous serez très fière de vous. Et pour vous aider maintenant en ce sens, voici le conseil de l'oracle, le message de l'oracle lunaire pour vous. Oh, quelle énergie! Oh, 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 Pauline, ce matin, moi aussi, je suis énervée, j'ai intérêt à faire attention, hein, mes amis, aujourd'hui. Allez, vas-y, Pauline, allez! Oh là là, mes amis. Allez. Choisissez votre lune. Si vous avez choisi cette lune, chevauchez. Vous voyez pourquoi on est énervé, hein? Chevauchez. Alors faites vraiment attention à vos paroles, mes amis, parce que là, chevaucher, ça veut dire que l'oracle vous envoie beaucoup d'énergie. Il faut croire que quelque part, eh ben, vous avez des choses à dire, mais surtout, faites attention à comment vous les dites, je vous assure. Parce que après vous allez regretter. Donc, chevauchez, c'est-à-dire, ayez confiance en vous. Vous voyez cette belle femme qui chevauche ce tigre. Mais quand même, faites attention. Et puis, si vous avez choisi cette lune, désirez. Alors là, c'est beaucoup plus paisible, beaucoup plus beau. On est dans le désir de se remettre bien avec les gens. On est dans le désir de dire des choses. Mais voyez, on est calme. Donc, sont vraiment deux cartes contraires, différentes et contraires, eh bien, chacune d'entre elles, chaque message de l'oracle, eh bien, certainement est adapté à votre cas. Et donc, mes amis, je vous souhaite une superbe journée malgré les aspects un peu difficiles. Et je vous dis à demain!